Très belle affiche entre Rennes 3e et Monaco 6e. 6 points d'écart entre les deux formations. Les Monégasques rêvent de faire un coup en Bretagne pour revenir à 3 points seulement des Rennais, des Monégasques en grande forme puisqu'ils restent sur 3 victoires consécutives. Golovin, Folland, Vanderson et Ben Yedder sont titulaires. Rennes de son côté a également réussi des résultats fantastiques. 6 victoires sur les 7 derniers matchs pour un match nul seulement. Bourigeaud, Maillère, Terrier et Laborde sont titulaires. Un match extrêmement attendu dans cette journée de Ligue 1 Uber Eats. Rennes est la première équipe à l'attaque. Avec ce joli mouvement, le centre d'Amari Traoré et la reprise victorieuse de Flavien Tête. On joue depuis 3 minutes seulement et Rennes mène déjà 1-0. Très joli centre d'Amari Traoré, l'un des meilleurs défenseurs passeurs dans les 5 grands championnats européens. Il n'est devancé que par 2 joueurs de Liverpool, Trent Alexander-Arnold et Robertson. Magnifique centre du Malien pour Flavien Tête qui marque son 3e but de la saison. Rennes est bien parti. Rennes qui prendrait 9 points d'avance sur Monaco en cas de victoire. Mais les Monégasques reviennent très vite. À la 12e minute, Vanderson marque son 2e but de la saison, bien lancé par Alexander Golovin. Très belle réalisation du Brésilien, une recrue du mercato hivernal. La défense rennaise est dépassée. Monaco revient vite à un partout. Le match est bien lancé avec 2 buts dans le premier quart d'heure. Il y a du rythme en première période, mais pas de but supplémentaire. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Rennes doit donc essayer de reprendre l'avantage devant son public. Les Bretons n'y parviennent pas. Et Monaco joue quelques coups très intéressants à fond. Folland de la tête pour lancer Wissam Ben Yedder, le capitaine de l'AS Monaco. Est parti tout seul et il va battre le gardien à la 57e minute pour donner l'avantage au club de la Principauté. 2 buts à 1 pour Monaco et 19e but cette saison pour Wissam Ben Yedder, deuxième meilleur buteur du championnat. Encore un but de Ben Yedder et Monaco est en train de créer une jolie sensation, même si les Monégasques étaient en forme. Gagner sur le terrain de Rennes, c'est difficile, il reste du temps. Et Rennes peut encore égaliser, pourquoi pas là-dessus. Un petit peu de confusion, puis ce tir sauvé par Nubel. Ça passe ensuite au-dessus avec la deuxième chance pour Serou Guirassy. Quelle opportunité. Mais ça ne passe pas, pas de deux partout. Monaco mène toujours au score. On entre dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Entrée sur le terrain de Myron Boadou à la place de Wissam Ben Yedder. Philippe Clément change notamment des joueurs offensifs. Et les Monégasques vont de l'avant. Avec ce ballon très mal relancé par les Rennais, l'interception monégasque. Le ballon pour Vanderson. Le centre vers Myron Boadou, l'un de ses premiers ballons. Et ça fait 3 buts à 1 pour Monaco. Vanderson a marqué un but, il délivre une passe décisive. Et Boadou en profite lui pour marquer son 3e but de la saison. 2 buts d'avance pour l'AS Monaco. Superbe résultat pour Monaco sur le terrain de Rennes. Mais il reste encore un petit peu de temps. Et les Rennais repartent à l'attaque. Avec cette balle dans la surface de contact et le pénalty. Nous sommes dans le temps additionnel de la rencontre. Encore un tout petit peu de temps. La faute de Sofiane Diop. Et le pénalty frappé par Martin Terrier. C'est réussi pour Terrier. 19e but de la saison pour Terrier comme pour Ben Yedder. Réduction de l'écart à 3-2. Mais c'est un peu tard dans le match et Monaco conserve son avantage jusqu'au bout. Victoire de Monaco, 3 buts à 2 sur le terrain de Rennes.